Bonjour. Ça va être difficile, Madame Bernhardt. Je sais, je n'ai pas rendez-vous. Et là, il est en consultation. Dans ce cas, je vais attendre. Bien. Vous donnerez ça à votre médecin traitant. D'accord. Et qu'est-ce que vous lui dites? Que j'aimerais qu'il vous change de médicament. Celui qu'il vous a prescrit ne vous fait pas de bien. Entendu. Il va vous en trouver un autre. D'accord. Merci beaucoup, docteur. De rien. Au revoir. Le docteur Weingartner, s'il vous plaît. C'est le genre de surprise que j'adore. Je voulais juste embrasser mon psychiatre. Ton psychiatre. Je préfère être ton amant. Oui, je préfère aussi. Tu en sais déjà trop sur moi, de toute façon. C'est juste pour ça. Que dirais-tu d'un câlin avec une femme que tu as rendue accro? J'ai envie de toi. Là, tout de suite. 5 minutes, ça te suffit? Non. Non. Dommage. Oh. Ce soir? Oui, ce soir, c'est mieux. Ciao. Ciao. Le docteur Weingartner, s'il vous plaît. Mais t'es folle ou quoi? Comment tu es rentrée? Et d'abord, qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas voir un psychiatre? C'est moi qui t'ai posé des questions. Mais je vais y répondre. J'ai un double de ta clé de voiture. Et j'ai fait du tennis pas très loin d'ici. J'ai 3 heures de cours qui ont sauté. À ton tour? Pourquoi tu vas chez un psychiatre? Mais pour rien. Il y a quelques années, j'ai été suivie par lui et j'ai eu envie d'aller le saluer, c'est tout. Et comment il a trouvé ça? Bien, du moins je crois. Je vais être en retard si tu ne démarres pas. Tu ne m'avais jamais dit que tu avais été suivie par un psychiatre. Mais ma chérie, il y a des choses qui ne te regardent pas. Mais pourquoi tu as eu besoin d'y aller? Tu n'as pas compris ce que je viens de te dire. C'était à cause de papa? Ça, c'est un sujet dont je n'ai pas envie de parler avec toi. Oui, c'est moi. Votre femme est passée voir Coury. Vous ne devinerez jamais qu'il a attendu dans la voiture. Ma fille? Mais comment ça se fait? Oui, je veux que vous me teniez au courant. Toutes les 2 heures. Oui, au revoir. Excusez-moi. Vous avez pu joindre ma femme? Oui, elle va venir pour déjeuner. Elle vous a dit où elle était? Non. Ah, Madame John, je voulais voir jusqu'à quelle heure mon mari va travailler aujourd'hui. Jusqu'à 18 heures. Et il n'a rien après? Si, il faut qu'il aille à la clinique. Oh, bon, mais tant pis. Je suis désolée.
Et pourquoi ma table n'est-elle pas prête? Mais je ne savais pas que vous veniez déjeuner. Deux couverts, s'il vous plaît. Entre deux. Bonjour. Bonjour, madame. Ah, bonjour. Merci. Merci. Oups. Ta journée s'est bien passée jusqu'ici? Oh, il ne s'est passé ni bien ni mal, comme d'habitude. Ah. Excusez-moi. Merci. Et toi? Qu'est-ce que tu as fait? Oh, je suis passée chercher notre fille au tennis, l'a accompagnée au lycée, et je suis allée faire un essayage avant le cours d'abdos fessiers. Ensuite, je suis venue ici. Quelle vie tu mènes! Ah, je peux savoir d'où tu sors? Bonjour, je viens manger avec vous. Vous serez trois? Oui. Il s'est compté jusqu'à trois. Oh, arrête, s'il te plaît. Je voulais déjeuner en tête-à-tête avec ta mère, vois-tu? Désolée, ce sera pour une autre fois. Poche droite du veston. Oui, Bernard. Oui, ça, je le sais. Je vous appelle toutes les deux heures, comme vous me l'avez demandé. Là, je me trouve juste devant votre hôtel. Allô? Allô? Il n'y a pas de courrier aujourd'hui? Si, je vous l'apporte. Madame von Westphal est là. Bien, faites-la entrer. Je vous en prie. Ah, Madame von Westphal. Bonjour, docteur. Asseyez-vous, je vous en prie. Comment allez-vous? Si vous aviez le pouvoir de me rendre mon enfant, j'irais bien mieux sans doute. Je ne l'ai pas, malheureusement. Excusez-moi une petite minute. Ce n'est pas terminé, je suis de retour, je vais vous tuer, Thomas Parkin. Je reviens tout de suite, veuillez m'excuser. Trouvez-moi vite le numéro de ce commissaire. Je crois qu'il s'appelle Cress, il est de la brigade criminelle. Très bien, mais qu'est-ce qui s'est passé? Thomas Parkin est sorti de prison. Le compte est nettoyé et la banque ne me donne plus d'argent. Est-ce que je peux le prendre? Tu vas le prendre de toute façon, quoi que je te dise. Thomas, que vas-tu faire? Je ne peux pas te le dire. S'il te plaît, ne gâche pas tout. Vera. Non, va-t'en. Oh, docteur Coury, ça alors je ne m'attendais vraiment pas à avoir de vos nouvelles. Et moi, je m'attendais à être prévenu de la libération de Parkin. Vous me l'aviez promis. Je vais vous lire ce qu'il vient de m'écrire. Ce n'est pas terminé. Je suis de retour. Je vais vous tuer. Ne bougez pas de votre cabinet, nous arrivons immédiatement. Werner, tâche de savoir pourquoi personne ne nous a prévenu que Thomas Parkin était sorti. Il a encore écrit au docteur Coury qu'il allait le tuer. Et tu ne vas pas là-bas tout seul. Nous sommes bien d'accord. Oui, s'il n'y est pas, on fait quoi? C'est bien simple, on lance un avis de recherche. Psychiatre auprès des tribunaux, c'est un job dangereux. Qu'est-ce qui se passe? Thomas Parkin est sorti. Je vais vous tuer. Il faut le prendre au sérieux. Oui, plutôt. Pour venger sa petite fille, il va encore vouloir s'en prendre à moi. Un jour, il finira par y arriver. Arrête, ne dis pas ça. On n'a qu'à partir loin de cette ville. On peut vivre n'importe où, profitons-en. Qu'est-ce que tu racontes ?
Ce serait assez facile à faire. Seulement, tu ne m'aimes plus. C'est ça, le problème. C'est très réducteur de ramener la vie d'un couple à l'amour romantique. Tu recommences avec tes belles théories sur le couple et les phases d'évolution de l'amour. Et alors? Tu crois qu'elles sont fausses? Garde-les pour tes patients. Peut-être que tu aides des gens avec ça, moi ça ne m'aide pas du tout. Excusez-moi, voici la police. Bonjour, Madame Coury. Bonjour. Je sais, ça n'a rien de réjouissant de se retrouver dans ces circonstances. Patricia, tu peux nous laisser, s'il te plaît. Je n'ai pas envie que ma femme soit mêlée à tout ça. Oui. Bonjour, Madame Parkon. Oui. On recherche votre mari. Il n'est pas là. Ah, on peut tout de même entrer. Non, non, on a déjà eu affaire à Parkon aussi pour une menace de mort il y a 2 ans et demi. Oui, à l'époque, l'expertise du docteur Coury avait été un facteur décisif dans la libération d'un homme qui avait été incarcéré pour viol. L'ennui, c'est qu'à sa sortie, l'homme a croisé la petite fille de Parkon. Oui, il a abusé d'elle. Et ensuite, il l'a étranglée. Oui. Oui, exactement. Oui, c'est pour ça que... Alors, si vous avez des infos qui concernent Parkon, il faut nous les communiquer immédiatement. Merci. Évidemment, Parkon n'était pas chez lui. Il est reparti après avoir pris de l'argent et s'être changé. Et sa femme? Elle m'a eu l'air complètement désespérée. Mais tu penses qu'elle nous préviendrait si jamais son mari se manifestait? Ça m'étonnerait beaucoup qu'elle le fasse. Je vais mettre la maison sous surveillance, et elle aussi. Et le docteur Coury? Oh, Coury a refusé que des policiers soient sur ses talons jour et nuit à cause de ses éternelles histoires de jupons. Et il est prêt à risquer sa vie? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il fera la même chose que l'autre fois, pour la première menace de mort que Parkon lui avait envoyée. Il va engager pendant quelque temps 2 super gardes du corps. La dernière fois, il ne s'est rien passé. C'est ce qu'il doit se dire. Ça lui plaît de jouer à la roulette russe, on dirait. Oui, ici Patricia Coury, je voudrais parler au docteur Wilhelmy, s'il vous plaît. Docteur Wilhelmy, est-ce que mon mari est là? Si ça ne vous ennuie pas, pouvez-vous lui demander de m'appeler dès qu'il arrivera? Oui, merci. Au revoir. Madame Coury, je voulais vous dire que je partais. Vous auriez pu me le dire par téléphone? Je voulais savoir si vous aviez besoin de quelque chose. Que pourriez-vous faire? Votre mari devrait accepter la protection de la police. Il ne le fera pas. Je le sais, vous le savez aussi bien que moi. Il n'y a rien à faire alors. Je suis désolée. Soyez prudente en rentrant. Mangez quelque chose avec moi, vous au moins. Je dîne en rentrant chez moi avec mon mari. Vous avez eu des parents très bizarres, vous aussi? Vous avez vu le nombre de fois où je mange seule le soir? Oui. Mais j'ai pas à faire de commentaires. Oui, c'est moi. J'ai une mauvaise nouvelle. Votre femme m'a semé. Ah, bravo, félicitations. Que voulez-vous que je vous dise? Vous recommencerez demain.
tu vas. Ne m'en parle pas. Mais si, parlons-en. Hey. Qu'est-ce qu'il y a ? Parkon a été libéré. Quoi ? Oui. Tu es quand même venu. Viens, rentrons, s'il te plaît. Ça y est, les voilà. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Qui vous a appelé ? Il y a un témoin. On lui a dit d'aller dans notre voiture. Qu'est-ce qu'il a vu ? En fait, il a rien vu, il a juste entendu les coups de feu. Ah. D'après ce qu'on m'a dit, la personne qui leur a tiré dessus n'était pas très loin. Le témoin nous a dit avoir entendu 3 coups de feu. Une balle a touché la femme. Elle s'appelle Ira Bernhardt. La balle qui a tué le docteur Coury est ressortie. Quant à la troisième, elle doit être dans le lac. Bonsoir tout le monde. Salut. Désolé, j'ai eu du mal à trouver l'endroit. Eh bien, de toute évidence, c'était du sérieux cette fois. Et qu'est-ce que tu veux dire ? On l'avait menacé de mort aujourd'hui. Ah bon ? Et la femme qui était avec lui ? Elle a été transportée à la clinique. D'accord. Et comment va-t-elle ? Je vais appeler les ambulanciers. Dans l'immédiat, je suis incapable de dire si c'est une balle ou la noyade qui a causé le décès. Je verrai ça à l'autopsie. Ici Riedman. Est-ce que je peux savoir dans quelle clinique vous emmenez Madame Bernhardt ? Merci. Tiens, la porte est ouverte. Voici Monsieur Zonlechner. Bonsoir. Je m'appelle Léo Kress. Voici Monsieur Hyman. On sera mieux à l'intérieur. On peut entrer comme ça ? Absolument. Vous êtes déjà venu dans cette maison, Monsieur Zonlechner ? Non, on était fâchés. On avait eu un litige au sujet d'un ponton et depuis on s'évitait. Ah. Moi, je suis à 3 maisons d'ici et normalement, la semaine, j'habite dans le centre-ville. Vous connaissez une certaine Madame Bernhardt, Ira Bernhardt ? Non, je sais seulement que la maison est au docteur Coury et qu'il est psychiatre. Qu'est-ce qu'il y a ? Venir avec moi, s'il te plaît. Oui. Madame Bernhardt a une balle dans le poumon, mais elle va s'en sortir. Elle est au bloc opératoire. Un gars du labo va récupérer la balle à la clinique. Bien. Dis-moi, aurais-tu une idée de ce qui a pu se passer ici ? Oh, Léo, en si peu de temps. Hey, je sais, c'était juste une question. Pourriez-vous passer nous voir demain au commissariat pour la déposition ? 3 coups de feu, c'est tout ce que j'ai entendu. 3 coups de feu très rapprochés. Vous avez quelque chose de particulier à nous dire et qui pourrait nous aider à mener notre enquête ? Le docteur Coury n'était jamais seul quand il venait ici. Il était avec sa femme ? Différentes femmes. Il y a d'autres propriétaires qui viennent ici avec différentes femmes. Passez-moi le médecin de garde. Docteur Brunner, ici Patricia Coury, ça m'ennuie de vous déranger. Je cherche mon mari qui devrait être là depuis longtemps. Comment ça, vous ne l'avez pas vu de la soirée ? Oui ? Non, ça ne fait rien. Madame Coury. Thomas Parkon est suspect, mais pas forcément coupable. Je suis de ton avis. Qui êtes-vous ?
Madame Coury. Que voulez-vous? Nous sommes de la police, je m'appelle Léo Kress, vous me connaissez. Madame Coury. Bonsoir. Nous pouvons entrer? Je vous en prie. Nous avons une très mauvaise nouvelle pour vous. Il vient d'arriver un malheur. Il est mort? Oui. Je m'y attendais. Je savais que cette fois, ça ne pouvait que mal finir. On a retrouvé votre mari tué d'une balle dans votre résidence au bord du lac. On vous présente nos condoléances, madame. Il était seul? Non, il n'était pas seul. Non. Il était avec une femme. Elle est grièvement blessée. Cet après-midi, je lui ai demandé de tout laisser, de partir avec moi loin d'ici. Il n'a pas voulu. On lui a proposé de le protéger, mais... il n'a pas voulu non plus. Et vous savez sans doute pourquoi? Non, nous n'en savons rien. Est-ce que c'était Parkan? Ça non plus, on ne le sait pas. Ma femme se trouve où? Qu'est-ce qui se passe? Remonte te coucher immédiatement. Je veux d'abord savoir ce qu'il y a. Je t'ai dit de remonter! Il s'agit de maman. Votre mère est à la clinique. Elle a dû être opérée. Mais opérée de quoi? Quelqu'un lui a tiré dessus. Pourquoi on a tiré sur maman? C'est pour le savoir qu'on fait une enquête. Elle était avec un autre homme. Quoi? Quoi? Mais arrête de faire comme si tu ne le savais pas. Je sais juste qu'elle est passée voir son psychiatre ce matin. C'était lui? Son nom, c'est Coury. Oui. Tu as une mère géniale. Vous vouliez savoir où votre femme était. Elle était à la clinique Rechtsderizar. Elle a reçu une balle dans le poumon. Bon. On va arrêter ici pour ce soir. On reprendra contact demain matin, s'il vous plaît. On trouvera la sortie. Au revoir. Pourquoi je ne suis pas au courant pour ce psychiatre? C'est tout ce que tu trouves à dire alors que maman est blessée. Oui, Bernard. Oui, c'est moi. Je suis au courant. La police sort d'ici. Je veux voir ma femme. Pourquoi ce n'est pas possible? Oui. Au revoir. Oui, ce matin encore. Il faut pas être un vieux, on se fait trop de mal. Ça y est, on recherche Parkan, la vie est lancée. C'est trop calme ici, c'est suspect. En tout cas, une chose est claire. Ah oui, laquelle? Si c'est Madame Coury qui a tiré... Elle aurait su mettre à profit la menace de Parkan de façon intelligente. Très juste. Et si c'est Bernard qui a tiré? Lui aussi, il a un excellent mobile. Apparemment, il était au courant que sa femme était infidèle. C'est exact. Qui veut du café? Thomas Parkan. J'irai parler à sa femme demain. Vous oubliez un autre aspect. Personne ne veut de café? Oh, je n'ai pas envie de café, je veux juste aller dormir. On oublie quel aspect? Peut-être que c'était le docteur Coury qui était visé. Et Kira Bernhardt a malencontreusement été blessée. Pour un revolver, la distance n'était pas idéale.
Non, ou alors c'est sur Ira Bernhardt qu'on a tiré et c'est Coury qu'on a malencontreusement tué. Il nous dit ça maintenant, mais comment je vais faire moi pour dormir? Ou alors il est possible aussi qu'on ait tiré exprès sur les deux. Pourquoi un revolver? On n'a pas retrouvé de douille sur les lieux. Hein? Lequel d'entre vous a demandé que Madame Bernhardt soit sous notre protection? Moi. Si je comprends bien, tu pars du principe qu'elle a été blessée intentionnellement. Exactement, oui, vu les circonstances. Je vais souhaiter à tous mes chers collègues une excellente nuit. C'est moi qui dis quand on arrête. Et on arrête quand? Maintenant. Très bien, dès qu'elle retrouvera son mari, vous devrez intervenir. Après, vous n'aurez qu'à m'appeler, je reviendrai au commissariat. C'est clair? Tu es dingue! Le téléphone est sûrement déjà sur table d'écoute. Comme ça, tu ne fais qu'aggraver les choses. Pourquoi? Je n'ai pas volé cette voiture. Grégory me l'a prêtée. Et maintenant, comment on va vivre? Je n'en sais rien. Dis-moi ce que je dois faire et je le ferai. Thomas, il n'y a rien au monde qui fera revenir notre fille. Si on partait quelque part, au Mexique. Et notre maison? On n'a pas besoin d'en avoir une à nous. Et là-bas, il fait soleil. Gare-toi à droite. Qu'est-ce qu'il y a? Je te dis de te garer à droite. C'est toi qui as tué Coury? Non. Alors rends-toi à la police. Tu es folle, ils ne me croiront jamais. Ils ne me croiront pas, tu le sais bien. Ah oui? C'est très intéressant, merci. Au revoir. Figure-toi qu'on vient de me raconter un truc plutôt curieux. Madame Parkon a pris hier soir un taxi avec lequel elle est allée jusqu'au Grand Théâtre et ensuite... Ensuite, elle en est descendue pour monter dans un bus qui l'a ramenée directement chez elle. Elle n'a rien fait d'autre. Dans ce cas, peut-être que le chauffeur de taxi était son mari. Ben oui, c'est ça. Autrement, pourquoi aurait-elle fait une chose pareille? Ça me paraissait bizarre aussi. J'ai noté le numéro d'immatriculation. J'aurais aussi besoin de votre adresse. Je l'ai écrite au dos. Ah, merci infiniment. Oui, c'est encore moi. Je vais vous communiquer le numéro d'un véhicule et vous allez me dire à qui il est. Non, j'attends, c'est urgent. Tu ne devineras jamais à qui est la voiture. À Vera Parkon. Alors ça, c'est trop fort. La voiture avec ce numéro est juste devant moi. Elle n'est pas vraiment récente. Hier, en début de soirée, la voiture est restée garée ici pendant 2 ou 3 heures, avec un homme au volant. Très bien. Et comme elle faisait tâche dans le quartier, un monsieur a consciencieusement noté le numéro. Et pourquoi ce monsieur ne nous l'a pas dit avant? Parce qu'il avait quitté sa résidence à l'heure du crime. Ah. Je dois te laisser, merci. Et à tout à l'heure.
Bonjour. Je vous ai reconnu tout de suite, Monsieur Crest. Madame Parkon, hier soir, vous avez fait un vrai numéro de cirque avec le taxi. Vous nous prenez pour des idiots. Qu'attendez-vous de moi? Que je livre mon mari à la police comme ça? Mais on recherche votre mari qui est soupçonné de meurtre. Vous êtes au courant? Je lui ai posé la question, ce n'est pas lui qui a tué le docteur Coury. Et vous l'avez cru, bien sûr? Oui, il ne m'a encore jamais menti. Seulement, devant la maison où le meurtre a été commis, on a vu sa voiture. La voiture qui est garée juste là. Vous allez avoir du mal à le protéger. Je peux savoir ce que vous faites ici? Mon nom est Patricia Coury. Je suis vraiment navré. Mes condoléances. Merci. Il me faut quand même savoir ce que vous faites ici. Je n'en sais rien. Quand êtes-vous venu ici pour la dernière fois? Ça fait une éternité. Avant, je venais souvent ici. Je vais sûrement tout mettre en vente. Où est-ce que ça s'est passé? Là-bas, sur les marches. Et Monsieur Bernard t'a dit quoi? Il a piqué une colère. Je lui ai prévenu que je ne pouvais pas continuer s'il y avait mort d'homme et que j'irais à la police. C'est tout à votre honneur. Oui. Quand on a tiré sur Madame Bernard et sur le docteur Coury, où étiez-vous? Ce soir-là, je m'étais fait semer par Ira Bernard. Je sais que ça craint. C'est vrai que c'est pas génial, génial. Non. Vous avez fait partie de la maison? Non, pourquoi? Maintenant, on va prendre votre déposition. Qu'est-ce qu'il y a dans le classeur? Il y a tous mes rapports de filature de Madame Bernard. Elle n'avait qu'un amant? Oui. Je vous en prie. Merci. Qui est-ce? Il s'appelle Casper Hendrick. Il a été engagé par Kurt Bernard pour surveiller sa femme. Ah, ce cher Kurt Bernard. Seulement le soir du crime, il s'est fait semer malheureusement. Il connaissait la résidence secondaire? Il devrait nous le dire, entre autres choses. Parce que s'il la connaissait, Bernard aussi. Oui. Oui. Madame Coury. Merci. Bonjour, madame. Bonjour. Comment allez-vous? Mal. Je vous en prie, venez vous asseoir. Monsieur Riedman m'a dit que vous vouliez me parler. Vous l'avez vu où, au juste? Là-bas, au bord du lac. Qu'est-ce que vous y faisiez? Je n'en sais rien. Je crois que je lis dans vos yeux ce que vous pensez. Si c'était le cas, on serait de mauvais policiers. Cette maison, qui en réalité m'appartient, a été au début le nid qui a abrité notre amour. Ça faisait des années que je n'y avais pas remis les pieds. Depuis que mon mari y allait avec ses maîtresses. Vous avez dû beaucoup en souffrir. Comment va cette femme? Vous ne connaissez pas son nom? Si. Ira Bernard. Apparemment, elle devrait s'en sortir, même si elle est encore en réanimation. Quand on aura pu parler avec elle, on en saura peut-être davantage. Mais qui a tiré? Ce n'était pas Parkon. Ce serait trop facile. Nous allons prendre votre déposition. C'est la procédure courante. Autant vous le dire tout de suite, je n'ai pas d'alibi. Je n'ai personne que vous pourriez interroger.
fermé, je suis désolée. Je le sais bien. Je viens voir Madame Coury. Je regrette, elle est sortie. S'il vous plaît, j'aimerais l'attendre. Je peux vous demander votre nom ? Léonie Bernhardt. Ah. Vous savez ce qui est arrivé ? Oui. Et que voulez-vous à Madame Coury ? Je veux lui dire à quel point je suis désolée. Elle en a peut-être pour pas mal de temps. C'est pas grave. Comment va votre mère ? Pour l'instant, on n'a pas le droit de la voir. Je crois qu'elle s'en sortira. Maintenant, vous n'avez plus de travail ? Non. Votre patron était comment ? Où voulez-vous en venir ? Je veux savoir ce qu'il avait de différent et de mieux que mon père. Je suppose qu'il y avait des raisons pour que ma mère ait été sa maîtresse. Désolée, je ne peux pas vous répondre. Qu'est-ce que tu veux de plus ? On a des hommes qui surveillent 24 heures sur 24 sa maison, sa mère, son ami Grégory et l'atelier où il travaillait avant. On va bien la voir un jour ? Mais ça ne me suffit pas, les un jour. Est-ce que son téléphone est sur table d'écoute ou non ? Je l'ai demandé, mais c'est long, c'est trop long. Vous n'auriez pas relevé des traces de pneus là-bas devant la maison ? Rien de particulier. De plus, on n'a retrouvé ni l'arme ni les douilles. La balle qui a blessé Madame Bernhardt provenait d'un calibre 38. Oui, Ayman. C'est tout ? Ah, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu sois content ? Moi, j'aimerais tenir le coupable et qu'il se soit mis à table. Ah oui, merci beaucoup. Je vais le lui dire, au revoir. C'était la clinique. On t'autorise à parler quelques minutes avec Madame Bernhardt. Ah oui, c'est déjà mieux que rien. Est-ce que le témoin peut décrire le type dans la voiture des Parkon de façon fiable ? Devant la propriété des Coury, c'est possible ? C'est évident que non. Inutile de vouloir lui faire plaisir aujourd'hui. Léonie Bernhardt, Madame Coury. Je suis sa fille. Que venez-vous faire ici au juste ? Je voulais vous dire que je suis vraiment désolée. Vous me l'avez dit. Ça y est. Vous saviez que ma mère était la maîtresse de votre mari ? Je n'ai pas envie de parler de tout ça avec vous, alors vous feriez mieux de partir. Au revoir. On attendra demain matin pour faire la liste des invités aux obsèques. Monsieur Bernhardt, les policiers sont arrivés. Ah oui. Bonjour. Bonjour. Voici Monsieur Kress, le patron de la criminelle, et mon collègue Ayman. Vous avez pris votre temps. Vous trouvez ? Je vous en prie. Asseyez-vous. La clinique vient de m'appeler. Ma femme est enfin revenue à elle. Je viens de lui rendre visite. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vient vous voir. Elle aurait des raisons de penser que c'est vous qui avez tiré. Elle est devenue folle ou quoi ? J'ai dit qu'elle pouvait l'envisager, c'est tout ce que j'ai dit. Oui, ce n'est pas la seule possibilité qui existe. C'est vrai. Nous vous écoutons. J'ai appris que Thomas Parkon avait menacé de mort le distingué Wolfgang Coury. Vous croyez qu'il aurait blessé votre femme accidentellement ? Oui, peut-être. Et Madame Coury ? Vous connaissez leur résidence secondaire ? Leur résidence secondaire, mais qui est où ? Au bord du lac. Non, je ne vois pas de quoi vous voulez parler.
Monsieur Bernhardt, je vous attends dans une heure à la brigade criminelle dans mon bureau. Au revoir. Au revoir. On sait que vous connaissez la résidence secondaire. Au revoir. Je viens de la clinique. Je voulais voir maman. On m'a interdit de la voir. Pourquoi elle est gardée par des policiers? Ils ont peut-être peur que je la tue. La police peut facilement croire que c'est moi qui ai tiré sur ta mère et sur son amant. Et ta mère peut également le croire. Et toi? Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne dis rien? Werner, accouche. D'accord. Il a été arrêté grâce à un coup de fil anonyme qu'on nous a passé. Tu l'aurais appris d'une façon ou d'une autre. J'ai fait porter le revolver au labo. Oui. C'est curieux que ça arrive maintenant. Je t'ai expliqué que c'est un coup de fil anonyme. Tout a été très facile. Non, mais cachez votre joie. Attends un peu. Bonjour. Bonjour. Monsieur Parkon. Oui. Ça aurait pu être plus simple pour vous et pour nous. Vous pouvez lui retirer les menottes et laissez-nous seuls pour l'instant. Pour votre ancien employeur, ça va chauffer. Il n'aurait pas dû vous cacher. C'est un délit puni par la loi. Vous refusez de nous parler? Il vaudrait mieux pourtant. Monsieur Parkon, vous êtes en état d'arrestation pour homicide volontaire sur la personne de Wolfgang Kury. Je vais au labo. D'accord. Et tentative de meurtre sur la personne d'Ira Bernhardt. Veuillez vous asseoir. Vous croyez vous en tirer comme ça? Vous imaginez que l'on vous laisserait tranquille pour le restant de vos jours? Le docteur Kury a la mort de ma fille sur la conscience. C'est lui qui a fait libérer son assassin. Vous auriez pu me demander comment j'arrive à vivre depuis que ma fille est morte. Pour votre fille, on a tous été sincèrement bouleversés. Mais ce n'est pas pour autant que l'on peut faire justice soi-même. Il faut que je vive avec. Seulement, je n'arrive pas à m'en remettre. Je n'ai pas tué Kury. Et c'est ça, mon problème. Nous ne prenons pas votre cas à la légère et j'aimerais que vous le sachiez. Seulement, on a vu votre voiture devant la propriété des Kury le soir même où il a été assassiné. Alors, on ne peut s'empêcher de croire que vous avez un rapport avec cet assassinat. Pourtant, vous faites erreur. La vérité, c'est qu'on a trouvé un revolver quand on a fouillé chez vous. Calibre 38. Non, je n'ai pas tiré sur Kury. Et ça m'ennuie beaucoup. La vie serait plus facile pour moi. Monsieur Parkon est en état d'arrestation. Veuillez l'emmener pour les formalités. Pourriez-vous appeler ma femme pour l'avertir? Oui, bien entendu. J'attends vos commentaires. Je préfère ne rien dire. Je commence à croire que ce n'est pas lui. Moi, je crois que c'est lui. Merci, voilà qui m'aide beaucoup. Oui, Léo Kreuz? Oui. Ah, Redman? Oui, il est parti vous voir. Oui. Oui, c'est très gentil. Dites-lui bien de revenir sitôt après. Hein. Merci. Alors, ce n'est pas avec le revolver qu'on a trouvé en perquisitionnant chez Parkon qu'on a tiré sur Wolfgang Kury et sur Ira Bernhardt, d'après le labo. Tu ne peux pas t'en aller. Et pourquoi? Parce que Bernhardt va arriver. Vous vous en sortirez très bien. Oh, là, il exagère. Ah ouais, une fois de plus. Entrez. Monsieur Bernhardt. Monsieur Kreuz est où? Il a dû s'absenter, mais asseyez-vous, je vous en prie.
Vera Parkon, j'écoute. Oh non. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je ne pouvais pas savoir, je vous jure, je ne savais pas qu'il se cachait à l'atelier. Mais il va bien? Je peux venir le voir? Oui, et vous devriez lui procurer un avocat. Et vous devriez aussi lui porter une petite valise de vêtements pour qu'il se change. Ici, au commissariat. Oui, au revoir. Oui? Bonjour. Bonjour, je suis Léonie Bernhardt, je voudrais voir mon père. Ah non, vous ne pouvez pas le voir pour le moment. Dites-moi, on ne se connaît pas encore, je m'appelle Léo Kress. Voulez-vous vous asseoir? Écoutez, votre père est justement à côté. Vous n'allez pas l'arrêter? Ah, je suis désolé, mais je ne peux pas répondre à ce genre de questions. En fait, Monsieur Casper m'a avoué au téléphone qu'il s'était fait semer par ma femme comme un novice. Et alors, qu'avez-vous fait? Comment ça, ce que j'ai fait? Oui, vous avez très bien pu aller à la résidence secondaire des Coury. Je n'y suis pas allé, non. Vous auriez pu y aller, ce n'est pas inconcevable. Ça vous était facile de deviner où étaient votre femme et le docteur Coury? Vous croyez véritablement que j'avais envie de voir ce qu'ils pouvaient faire ensemble? Les photos que le détective m'a montrées m'ont largement suffi. Je ne suis pas masochiste. Que faisiez-vous à l'heure en question? Je vous l'ai déjà dit. J'ai roulé longtemps, sans but précis, et je suis après allé à la gare. Vous voulez vraiment qu'on avale ça? Oui, parce que c'est vrai. Et après, comme Monsieur Casper n'arrivait pas, je suis rentré chez moi. Et votre fille n'était pas là? Je ne savais pas où elle était allée traîner. Si vous me disiez le reste... Je n'ai pas eu le droit de voir ma mère. Il y a un policier posté devant sa porte. Oui, son rôle est de protéger votre mère jusqu'à ce qu'on ait réussi à arrêter le ou la coupable. Mon père ne peut pas avoir tiré sur ma mère et sur son amant. Comment pouvez-vous le savoir? Mais parce qu'il est resté toute la soirée à la maison avec moi. Mais tout ce cas inutile d'attendre. Je vais prendre votre déposition. Je croyais que tu étais parti. J'ai changé d'avis, comme tu peux le voir. Voici la fille de Monsieur Bernhardt. Léonie Bernhardt. Elle vient de me dire que ce soir-là, elle était avec son père et qu'il n'avait pas bougé de chez eux de toute la soirée. Oh, mais il y a quelque chose qui cloche. Votre père vient de nous déclarer que lorsqu'il est rentré, il vous a cherché et que vous n'étiez pas dans votre chambre. Vous vouliez sans doute lui fournir un alibi? Mademoiselle Bernhardt, vous devriez réfléchir avant votre déposition. Je le pense aussi. Bon, il faut que j'y retourne. D'accord. Votre idée était nulle. Vous savez, chez nous, les mensonges ne conduisent pas loin. Mon père n'aurait jamais tiré sur ma mère, ni sur le docteur Coury. Mais ça, on finira bien par le savoir. Alors, on va commencer par votre nom, prénom, date de naissance et adresse. Je vous écoute. J'ai encore une question. Avez-vous une arme? J'ai un permis de détention d'armes. C'était pas ça la question. Avez-vous une arme? Un pistolet ou autre chose? Oui. Enfin, non. Que voulez-vous dire? Que le revolver a disparu voilà plusieurs jours. Le temps s'est arrêté, un être en a tué un autre. Je vous annonce le décès de mon mari. Le docteur Wolfgang Coury. Excusez-moi, j'ai oublié mon sac. Merci. Monica. Vous avez eu une aventure avec mon mari. Tout est terminé. Vous pouvez me répondre? Oui. Quelques jours à peine. Je suis vraiment désolée. Vous alliez avec lui dans la maison au bord du lac? On allait chez moi, je préférais. Si je vous dis que je l'aime encore, vous pouvez comprendre? Oui. Bien sûr, je peux comprendre. Je viendrai vous aider demain. Merci. Pff,
Léo, on a une bonne nouvelle à t'annoncer pour changer, et ça nous fait plaisir. On a trouvé un revolver dans le jardin, juste à côté. Un 38 spécial avec 3 balles qui manquent. Ça doit être l'arme du crime. Et alors? Le revolver est au labo pour qu'il compare les balles et les empreintes. D'accord, et c'est tout? Oui, c'est déjà quelque chose. Kurt Bernhardt avait rendez-vous avec le détective privé dans le hall de la gare principale. Oui, et? Et il lui a fait faux bond. Bernhardt est resté à l'attendre plus d'une heure. Est-ce qu'il a des témoins? Oui, des centaines, ou des milliers, ou alors aucun, comme tu veux, Léo. Et sa fille, elle est où? Écoutez, dans le bureau. Je vais l'emmener à la clinique. Elle veut voir sa mère. Et pourquoi elle nous a fait ce numéro? Elle voulait sans doute protéger son père et que tout aille bien. Oui? Bonjour. Excusez-moi. Madame Parkon? Je ne sais pas à qui donner les affaires de mon mari. Laissez-les là, ne vous en faites pas. On se charge de les lui donner. Vous pensez tous que c'est mon mari qui a tué le docteur Coury? On préférerait que ce ne soit pas lui, soyez-en sûr. Vous faites quel genre d'études? Je fais l'école hôtelière. Votre père veut que vous repreniez l'hôtel, c'est ça? Oui. Vous aussi? Moi aussi. Il faut qu'il ait vraiment confiance en vous. Oui. Mais ces coups de feu tirés sur Wolfgang Coury et sur votre mère vont sans doute modifier votre existence. Pourquoi ne dites-vous rien? Parce que ça me sidère que vous ne soupçonniez que nous. Pourquoi nous? Mon père. Vous m'avez dit au cours de votre déposition que vous êtes allé en boîte. Non, c'était plutôt en boîte de jazz qu'une boîte tout court. Vous y allez souvent? Comme je n'avais pas le moral, j'avais envie de blues. Mon père fréquentait cette boîte avant. Mais je suppose que vous, on ne vous connaît pas. Non. Commissaire. Bonjour. Elle est avec une infirmière. On a annoncé notre visite. Monsieur Kress? Oui. Et voici sa fille, Léonie. Très bien. Restez une demi-heure, pas plus. Entendu. Alors, mon cœur. C'est très gentil à vous d'avoir amené Léonie, merci beaucoup. Ça te fait toujours très mal? Oui. Et qu'avez-vous fait de mon mari? Eh bien, je vous avoue que nous avons déjà arrêté quelqu'un, mais ce n'est pas votre mari. Papa n'a rien fait. Et comment peux-tu le savoir? Oh, parce que je le sais, maman. On a retrouvé l'arme du crime dans le jardin voisin et demain, les empreintes révéleront leur petit secret. Le labo est en train de les étudier. Qu'est-ce que tu as? J'ai pas voulu te faire de mal, maman. Je voulais juste que tout redevienne comme avant entre papa et toi. Léonie Bernhardt, j'ai le regret de vous dire que vous êtes en état d'arrestation pour homicide volontaire sur la personne de Wolfgang Coury.